Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après quelques semaines d'absence. Donc oui, j'ai pas sorti de vidéo pendant quasiment 2 mois où j'étais en vacances et après j'ai pas pris spécialement le temps de refaire des vidéos. Donc je vais vous en faire une première pour la reprise sur Forza Horizon 4. Donc on est sur l'extension Lego, la toute dernière extension. Et je vous fais cette vidéo car il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment réaliser un Burnout Ultime. Donc pourquoi... Hop, j'ai fait me prendre une voiture. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo-là. Tout simplement parce que c'est pas donné à tout le monde de faire un Burnout Ultime, ça demande une petite technique. Des personnes ne connaissent pas cette technique et je vais vous la présenter. Donc je sais très bien que certains vont dire que c'est de la merde, que c'est très facile, que cette vidéo sert à rien, etc. etc. Mais bon, faut se mettre à la place des joueurs qui n'ont pas l'habitude de Forza ou qui n'ont jamais essayé et donc qui ne connaissent pas la technique. Donc bon, je dis la technique, mais il y en a plusieurs. Je vais vous présenter, si la voiture va bien s'arrêter, voilà. La technique pour moi la plus facile. Donc c'est... Pourquoi faire un Burnout Ultime? C'est tout simplement pour un défi brique qui est ici, pardon. Voilà, brûlure à 180. Donc il faut faire un Burnout Ultime et un 180 génial. Donc le 180 c'est très facile, il suffit de partir tout droit, de faire un coup de frein à main et de repartir dans l'autre sens. Voilà. Moi j'ai fait qu'un super, mais bon. Alors que le Burnout demande un peu plus de technique. Donc on va s'arrêter. Hop, donc là j'ai pas d'assistance, hein, c'est pour ça que ça part un peu dans tous les sens. Voilà, donc dans un premier temps, vous devez changer de véhicule. Vous cliquez sur filtre et vous triez, il vous faut une voiture anti-propulsion. Donc une voiture RWD. Voilà. Donc il y en a plusieurs, hein. Même beaucoup. Moi je vous conseille une voiture assez puissante. Donc là, moi, je vais prendre la BMW M4 GTS. Ça va très bien pour le faire. Ensuite, il faut désactiver impérativement l'ABS et le contrôle de traction. Voilà. Donc, vous devez vous mettre sur une route en étant arrêté, hein, comme ceci. Je sais pas pourquoi, mais bon, au début, moi, j'ai essayé de le faire sur la piste de l'aéroport qui est ici et ça ne marchait pas. Donc la technique, il faut faire patiner les roues arrière en gardant les roues avant quasiment bloquées. Donc vous devez maintenir A, accélérer à fond. Je ne vais pas faire tout de suite, hein, je finis de vous présenter. Donc, maintenir A, accélérer à fond, freiner avec la gâchette de gauche, lâcher A et relâcher progressivement le frein sans le relâcher complètement, histoire de faire patiner les roues arrière. Donc je maintiens A, j'accélère à fond, j'appuie sur l'autre gâchette... Et là, regardez, je relâche progressivement la gâchette de gauche en maintenant l'accélérateur à fond. Et voilà, les roues arrière patinent et le défi se met tout de suite. Burnout Ultime, voilà. Donc c'est très facile à faire. C'est à portée de tous, hein. C'est pas comme certains défis de course ou même autres défis. C'est vraiment, vraiment facile à faire. Je vais en faire encore une fois, juste pour le plaisir. Donc là j'ai fait le défi en entier, hein, avec le 180 génial et puis le Burnout Ultime. Voilà, on refait un burn. Voilà, donc maintenant cette vidéo est terminée. Je tiens à vous remercier vraiment, vraiment beaucoup. On vient de passer la barre des 335 abonnés à l'heure où je fais cette vidéo. Et ça me fait vraiment très plaisir de voir que mes vidéos peuvent plaire. Je fais ça vraiment pour vous aider et pour le plaisir de sortir des vidéos et rien d'autre. Donc je vous dis à bientôt et puis on se retrouve très vite sur de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao!